monde, c'est parti pour le troisième épisode de Let's Build Maison Toscane. Et voilà. finalement, j'ai dit que je ferais des trucs en off et j'ai rien fait. On va le faire ensemble, ça va pas être énorme. Ça va pas être super long. Fenêtre en bas, tout simplement, je pense. Alignée avec celle du haut. Avec la souris qui bug toujours. Après, il va falloir... Oh, puis on verra qu'est-ce qu'on fait, mais... Il va falloir jouer pas mal avec... la végétation. J'aurais pu faire juste un copier, je serais moins emmerdé la vie. Copie. Paste. Là. Ramasse tes dents. Là, jusque là. Copie. Et un peu. Alors, je sais pas pourquoi si je vais le mettre ça. En bas. Bon, quoique. Je sais pas. Peut-être changer là. Pour le bas. Garder une sorte de petite feature, mais différente. Alors, on va voir. Avec ça, peut-être. Dégage toi. Et avec peut-être. Il y a pas d'escalier là. Tac. Si on fait ça. Il est quelle heure? Oui, d'accord. Du coup ça sert plus à rien. Et si je fais ça et ça. Ou l'inverse, ça et ça. Après on se demande à quoi ça sert ce truc. On est d'accord. Parce que c'est, on est obligé de. Ou alors, attendez. Ouais, ouais, double bloc, blablabla. Mais tiens, je vais faire ça. Faire un peu de relief façade. Allez. Ah oui, il y a un truc que je pourrais faire. Qui pourrait être. Je viens d'y penser là, du coup, à l'instant. Parlant du bois aussi. Enfin, parlant du bois. Pensant au bois. Je pensais à du bois, voilà, bref. Dans le style toscan, ça passe, du bois. On va faire des volets. On a largement la place de faire des volets, vous voyez. Donc, on va les faire en trapdoor. Parce que ça passe vachement bien. Ça rajoute du bois. Et une petite épaisseur sur la façade, et pas trop. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc, mais ça nous permet, du coup, aussi, d'avoir un petit peu plus de relief. Et moi, j'aime ça. Ouais, ça va être rigolo. On va continuer à faire le tour de la maison de façon grossière, je pense, entre... Guillemets, ouais. Et puis après mettre des détails, façade. Je pense que je vais remettre une coursive. Enfin j'appelle ça une coursive. Si c'est là. Ah, ouais hop coursive. Je vais en remettre une de l'autre côté, à je sais pas quel endroit, peut-être à l'opposé aussi. Là il y a cet angle là, on va peut-être faire l'autre angle là-bas. Pourquoi pas. Mais par contre je sens qu'on va. Enfin je vais m'amuser, je sens sur les extérieurs de cette maison. Avec des cyprès. Il y a des cyprès déjà. Il y a quelques cyprès qui sont faits par Mamor et je sais plus qui, Blink peut-être. Trog, tout ça, et on va pouvoir en utiliser. Mélanger des cyprès modernes aussi, peut-être. Enfin, modernes, comme je mets des fois dans mes maisons modernes, qui sont plus rectangulaires, bien propres. Ok, donc des volets. Des volets comme ça. Bon, on s'en fout pour l'instant. Donc, ça serait l'entrée principale, hein, je pense. Hein. On est d'accord. On va faire le. Le plus simple, c'est de faire le tour avec le toit, je pense. Je pense. Attendez, laissez-moi réfléchir. Est-ce que là, on va faire comme ça, du coup? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Laissez-moi réfléchir. On va
on va tester. On va tester comme ça. Alors, stack, je sais pas combien. 20. Certainement plus. Ouh, 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 on doit pas être loin. On balance vulgairement le toit. Comme ça. Ensuite, on balance le bloc le plus bas. En l'occurrence, celui-là. Pour avoir le repère de... Alors là, 50. Il est long, hein. 70. 70. Là, c'est le GG. Tiens, il pleut. De toute façon, si je compte pas l'aménager à l'intérieur, je m'en tamponne le cul avec une babouche. Je peux la faire de 200 de long. Bon, ce sera plutôt moche, je pense. Là, tac, on vire tout ça. On a notre repère de toit. C'est plutôt cool. Donc là. Je suis bien à 269. Oh bah oui. Ok. 68. Blablabla, ainsi de suite. Et là. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Ah, il fallait enlever deux, bah. Ouais, j'ai d'accord. What the fuck? Oh le bourrin. Oh le bourrin. Oui, il fallait enlever deux. Bon bref, de toute façon c'est pareil. Le toit est là. Là c'est pareil, on va bourrer. Stack 35. Putain, j'étais presque bien. Ok. On verra pour le dessus du toit si je rajoute pas des trucs, une sorte de terrasse, donc c'est pas trop le style de la maison, c'est lequel le dire. Ok. Donc, et ça nous soutient. Je vais tirer un gros mur en salle. 7, 24. Là, pareil. Ouais. C'est vrai que je le sens un peu faible, mon bouton de souris. Pour revenir sur le... Oh, j'ai démonté une souris en quoi, en 6 mois? Même pas? C'est bon, ça, Cormi? C'est bon, là? What the fuck is going on? Ah oui. Ah oui, non mais non, Corby. Là par contre, ce que tu vas faire, c'est... Tu vas tourner. Comme un... Eh oui. Et on va faire la... Oulala. Oulala. On va se démerder. On va se démerder. Ça c'est sympa. Si on pourra faire, je sais pas quoi, on verra. C'est très haut, hein. Et d'où l'intérêt de remettre une... Je vais prendre le... pas me rater. Qu'est-ce que je fais? D'où la coursive qui permet de casser un peu ce bâtiment vachement haut. Moi j'aime bien, moi. Ça va faire deux bons étages, voire trois. 7, 24. Là c'est vachement grand, c'est pas grave. Je pense que je vais faire. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je laisse comme ça? On mettra une tonnelle avec des feuilles ici. Ici, on tirera une tonnelle en bois, tout là. On mettra des feuilles du bordel. Là, ça pourrait être pas mal. La coursive, on va l'attaquer. Alors, attendez. Directement.
Là, on tire le truc, on tire sale, hein. Bien sûr, bien sûr. Si il faut s'arranger aussi, c'est pas normal. Il y a pas le toit fini là. D'accord. Là, on bourre des murs comme un gros porc. Là, on stackote pas beaucoup. Stack quoi, 15. Attendez. Endo. C'était stack 13, c'est ça? Ouais. Tac. Ok. Bon, là, c'est pas beau, c'est normal. Enfin, c'est normal. J'aimerais bien faire, alors, une coursive. On va dire de... Peut-être de la... D'ici, là. Hop, dans l'alignement. D'ici, jusque là-bas. Et faire un renfoncement. Soit un renfoncement, soit une partie de la maison qui s'avance. Je sais pas. On va faire un truc là-dessus. Ça, c'est sûr. Par contre, on va pas s'emmerder non plus pour la coursive. Mais oui, c'est clair. On va prendre de là jusque là, on va dire. Copie. Rotate 180. Paste, on a la gueule que ça a. Ça a plutôt une bonne gueule. Ça a plutôt une bonne gueule. Et ça, c'est cool. On prend cette partie. Ouais, voilà, fuck, on s'en tape. Copie. Et par contre, il faut que je me mette à 1, 2, 3, 4 blocs. Ok. 4 blocs, et j'ai dit qu'on partait de... Ah merde, j'aurais pas dû me mettre. Chut, pas de marque. On recommence. Par de là, jusque là. Plutôt comme ça. Copie. Et oui, on va pas refaire deux fois la même chose. On a déjà fait une coursive une fois, on va l'utiliser. On aligne. C'est ça, c'est là. C'est là. C'est là. Ouais, c'est là. 1, 2, 3, 4. Paste, moins A. Quoique là, j'aurais pu en s'en foutre. Alors, soit peut-être un bloc en décalage. 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Move. 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 One left. Yes. On vire ce repère. On vire ça. On stack comme un gros porc que nous sommes. Ah, attendez, oui. Oulala. On garde le pattern. Parce que là, j'ai petite arbre, grande arche. Alors, j'avais quoi? J'avais fait quoi? J'avais petite, grande, petite. À part sur ce côté-là. C'est ça. On va garder ça. Ce délire. Donc évidemment, ça ne va pas. Vous inquiétez pas. Copie. Paste. Ok. D'accord. De là jusque là. C'est que je parle pas beaucoup là, mais pourquoi je parle pas? Hein? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Il va faire nuit, nom de Zeus. Je suis pas concentré là. Copie. Paste. Ok. Jour. Maintenant, on décale. Et le voisin casse tout, on ne dit rien. On va décaler de... Je sais pas. J'aurais pu compter move... De toute façon, c'est simple. 10, non, à peu près. Pas du tout. Undo. Ah.
C'est bon là. Ok. Donc on a ce pattern qu'on va stacker ta mémé. Il me faut le pilier à la fin. Donc genre de là jusque là. Ça serait magnifique si ça tombait bien, mais j'y crois pas. Eh ouais. Je vais m'arranger pour, finalement je remouve tout d'un sur la... le relou. Ça c'est pas bien grave, mais hop. Move one right. Donc une bonne coursive. Faut faire des écuries aussi dans ce style, quand j'y pense. Faut faire un renforcement là ou un truc. Ok, là c'est... Donc là on fait la... D'accord. Bon bah écoutez. Du tout. Du. What the fuck? Non, j'ai bugué là. Ok, comme ça. Je vais le continuer, je vais la continuer, normal. Je regarde juste que ce que commence. Hein? Ouais. Ok. Alors on va copier ou pas là? On va la refaire vite. Non, voilà. Oh, je sais pas. Il n'y en a pas une dans ce sens, mais non, évidemment que non. Bah, écoutez, on va reprendre un petit bout. On va pas s'emmerder. On va faire du simple. De là jusque là. Copie. Rotate. Rotate combien? 90. Ok. Alors. Ça marche là ou pas si je fais ça? Paste moins A. Oui, ça c'est normal au niveau du toit que ça bug. J'ai pas pris un virage. Mais là on est bien. Voilà. Ok. D'accord. J'ai envie de dire oui. De là jusque là. Stack 3. Ouais. Stack 3. Ou alors on fait le petit angle. Non, ça sert à rien. Non, on peut l'arrêter là. On peut l'arrêter là. Je ferai la... Alors je ferai les finitions, enfin les extrémités de la coursive en off. Hein, ça sert à rien. C'est dur de les faire comme ça, là, inclinés. Ça prend 2 secondes et on s'en fout. Avant de terminer. Il faudrait que je dise... Bon, il y aura des fenêtres, hein. Il faudrait que je fasse... Alors... Je sais pas. Alors, je disais tonnelle ici. Ou peut-être terrasse. Mais je pense que c'est là qu'on va faire une terrasse. Donc, ça veut dire que... Ah ouais, ça peut être pas mal, ça. Ouais, ça peut être cool, dit-on. Ah ouais... Si ici, finalement. Juste, je délimite un truc. Une terrasse de combien? Je fais ça là-bas comme je te pousse. 10. Non. 11. 12. Parfait. Big terrasse. Vas-y, reste en chien. 12 sur... Stock... Wow, tu sais quoi, enfin, non. Oh, le téléphone. Casse pas les couilles. On va faire plutôt un truc de 8, ça fera 7. 8,
8. Ta gueule, le téléphone. Je suis sûr que c'est mon frangin en plus. Ok, on va faire ça comme ça. Stack. Stack combien? Là, il faut aller jusqu'au bout. 30, donc 37. Si je fais comme ça. Là, j'ai bien mes 8. Ouais. Si je fais comme ça. Comme ça. Oh putain, ça va m'emmerder. En fait, comme ça. Là, je marque vite fait l'ambiance, là, le délire. 7-24. 7-0. Là, donc, je vire toute cette merde là. En fait, ça serait une sorte de petite terrasse balcon. 7, ouais, 7, ça fait gros balcon. Faudrait que je trouve un système. Alors, je pense que le mieux, ça serait de péter ce mur finalement. 7-0. Attendez, je vais foutre de la globo pour vous. Puis qu'à la fin de cet épisode, vous ayez un peu plus d'idées sur ce que je vais faire après là. Je pense que ça va être sympa ça. Ça peut bien rendre. Alors soit je pète tout et j'avance. Enfin, j'avance. Allez. 7-0. Je fais une énorme véranda, je sais pas, je fais un truc. Mais moi ce que je pensais c'est peut-être faire des arches. Là où il y avait le mur, hein, ici, en repère. Je fais des arches, d'autres arches, peut-être plus larges, à l'intérieur de la maison. Et ici, je remets le ce sera le futur, ce sera le nouveau mur qui délimitera l'intérieur. Et au-dessus, la terrasse. Faut que je réfléchisse. Je vais poser les arches en off, je pense. Et puis au prochain épisode, on attaquera l'extérieur ensemble. Enfin, comment fermer cette partie-là. Bon, on va faire ça comme ça. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce troisième épisode. La maison, on commence à voir les bases. On va finir le toit là-haut, en off, je vais faire en off. Puis on se retrouve, tiens, elle est pas mal cette vue. On se retrouve bientôt. Salut à tous, ciao.